Le thème qui nous réunit aujourd'hui, l'industrialisation comme vecteur de développement et de création d'emplois. Ce thème-là, le thème n'aurait pas pu être mieux choisi compte tenu du contexte que nous vivons en ce moment. Donc produire, ça va aussi inclure le développement des petites et moyennes industries. Ça va aussi transformer le secteur informel. La politique d'industrialisation passe inévitablement par le développement d'un secteur privé fort. L'industrialisation, ce n'est pas une incantation. L'industrialisation, c'est une vision, c'est une volonté politique, sont des infrastructures, sont des ambitions. Mais l'industrialisation également s'appuie sur des potentialités et des opportunités qui sont propres à chaque pays, qui sont propres à des regroupements de pays. Tout le monde s'est posé la question, pourquoi certains pays arrivent à décoller et d'autres pas? Pour y répondre, il y a une première piste de bon sens que les consultants en stratégie, j'en fais partie, n'ont pas toujours, c'est de se demander et de regarder dans quoi travaillent les Sénégalais aujourd'hui et comment faire en sorte qu'ils fassent mieux ce qu'ils font aujourd'hui et gagnent plus. On a, d'après les statistiques officielles, 3,9 millions aujourd'hui d'emplois au Sénégal, dont 19% ici sont dans l'agriculture, l'agriculture et la pêche, et 38% dans l'artisanat et l'industrie. On peut dire l'artisanat parce que seul 1% de ce secteur est formel, ça veut dire que les 49% restants, on est bien dans de l'artisanat. Ceci montre que 6 Sénégalais sur 10 sont dans l'artisanat ou l'agriculture et en réalité vivotent avec des revenus extrêmement faibles et précaires. Et pour ces agriculteurs, comme pour ces artisans, leur avenir dépend de l'industrie. L'industrie, c'est d'abord la production en amont. Et si on parle d'agriculture et d'agro-industrie, très clairement, il faut commencer par dire ou faire le constat qu'au Sénégal, le premier problème que nous avons, c'est qu'on ne produit pas assez. Et on ne produit rien à suffisance. Dans aucune filière, en tout cas agricole que je connais, pas les fruits et légumes, c'est pas les céréales, Victor le disait tout à l'heure, il a raison. Et c'est une situation paradoxale, parce que ce pays a le potentiel pour non seulement produire à suffisance les besoins, ses propres besoins de consommation, mais produire pour exporter. C'est un pays qui potentiellement doit être un pays exportateur net de produits agricoles. On est dans la situation totalement inverse. Il n'y a pas d'industrialisation sans État, et sans État digne de ce nom, c'est-à-dire un État stratège, pour reprendre un terme qui a déjà été utilisé tout à l'heure par Victor. Il y a eu des industrialisations dans ce pays à un moment où les discours sur l'État minimaliste a prévalu. Heureusement que c'est un discours qui a fait long feu, qui n'existe plus, mais c'est au moment où le discours de l'État minimaliste, résumé par la fameuse formule « moins d'État et mieux d'État », c'est au moment où ces discours faisaient ces ravages qu'il y a eu des phénomènes de désindustrialisation du Sénégal. La désindustrialisation a été le parent du désengagement de l'État. Et il y a donc, il y a là une véritable responsabilité de l'État dans la situation que nous connaissons aujourd'hui. La filière textile s'est effondrée, d'autres filières se sont effondrées, les embryons qui existaient ont disparu parce que l'État n'a pas su jouer son rôle ou parce qu'il a cédé aux sirènes d'un certain nombre d'agences qui ont fait croire que le secteur privé pouvait, comme par une opération du Saint-Esprit, résoudre tous les problèmes avec ou sans État. C'est une illusion, c'est une aberration, et il faut donc que l'État prenne ses responsabilités et les assume si l'industrialisation doit demain devenir une réalité.
Voilà quelques propos d'un homme qui n'est pas des vôtres, quelques propos un peu décousus par moments, mais c'est du fond du cœur que je le dis. J'ai voulu simplement partager avec vous quelques réflexions et je vous remercie de votre attention. Merci, cher Alioune. Il n'est pas un industriel au sens classique. C'est vrai qu'il nous interpelle, il faut réinventer, peut-être avoir notre propre concept. Mais c'est un industriel de la pensée, c'est un industriel de la parole, c'est un industriel des concepts, c'est un industriel, j'allais dire, de l'interpellation tout simplement, de tous les acteurs à tous les niveaux, de l'État, des membres du club, du citoyen tout simplement, et au-delà du Sénégal, de l'Afrique. Merci véritablement pour cet éclairage-là. Et je crois que ça également, c'est la démonstration de ce capital essentiel que nous avons aujourd'hui en Afrique, au-delà des richesses naturelles, c'est le capital humain. La capacité de concevoir, la capacité de se frayer nos propres pistes, nos propres perspectives, et la démonstration éloquente en a été faite par les trois intervenants. Maintenant, comme disent les anglophones, the floor is for you, aussi bien pour ceux qui sont à distance, donc via Zoom, que ceux qui sont dans cette salle, pour les différentes interventions, contributions, questions. Oui, merci beaucoup. Je suis le professeur Guy Diakhaté, je suis sociologue, enseignant-chercheur à l'Université Charente-Diagne de Dakar. Je suis complètement titillé par le dernier intervenant. Je crois qu'il y a une base socioculturelle à l'industrie qui me semble importante, surtout pour le contexte du Sénégal. Le dernier intervenant a parlé de structure sociale lignagère qui conduit vers une sorte d'égalitarisme socio-économique. L'idée que tout le monde doit être exactement au même pied d'égalité. Et à cela, il faut ajouter le capital spirituel, plutôt orienté vers le cultuel, le culte, que vers la production, vers le développement. Nous avons un capital spirituel qui me semble plutôt orienté vers la pratique cultuelle, donc le culte, etc. Et la fonction de développement des religions, cette fonction-là n'a pas suffisamment été mise en exergue. Ce qui fait que nous avons tendance à indexer ceux qui produisent et ceux qui sortent du lot. Et ça crée évidemment une situation de marginalisation et d'indexation, à la limite même de stigmatisation des producteurs. On a même l'impression que quelque part, que c'est coupable d'être riche dans une société qui met plus l'accent sur le culte, qui met plus l'accent sur ces choses-là et qui oublie qu'il y a une dimension économique de la religion. Quelqu'un comme Max Weber, lorsqu'il écrit « Éthique protestante et esprit du capitalisme », a montré que dans la religion, il y a une exigence pour la production, pour le travail, pour l'économie. Et donc, il n'y a pas seulement que ce culte qui consiste à dire qu'il faut se libérer du matériel, qu'il faut considérer que l'avoir constitue une culpabilité. Voilà juste ce que je voulais ajouter comme contribution. Merci. Merci beaucoup, professeur. Merci. Oui, Magadoua, de maire de Ngaïmeke, que vous connaissez, qui est déclarée la capitale sénégalaise de l'artisanat. Monsieur le Président, je vous félicite. Vous êtes un success story. Si c'était à l'école anglaise, on aurait dit que Babacar Ngom de la Sédiment, il faudrait faire un storytelling, parce qu'on vous a suivi depuis plus de 30 ans. Et vraiment, quand je venais ici, j'étais très heureux de vous revoir et de vous dire félicitations. Monsieur l'ambassadeur du Rwanda, nous sommes très heureux de vous avoir aussi à côté, et Matar également, success story. Je voudrais simplement, sur trois points concernant bâtir un Sénégal industriel, intervenir. Le premier, comme disait Félix Houphouët-Boigny, je suis convaincu que l'avenir de l'Afrique, donc l'avenir du Sénégal, dépend de l'agriculture. Il n'y a pas d'industrialisation sans développement agricole, sans une production de masse. Et M. Fall vient de le dire. Donc ça, c'est tout part de l'agriculture, l'agro-industrie, l'artisanat. Donc il nous faut veiller à une forte production agricole, moderniser l'agriculture, dématérialiser les terres et produire davantage.
et je crois que je l'ai dit à l'une des émissions. L'autre, on a donné l'exemple de la Corée du Sud. J'ai été dans un taxi à Séoul et j'ai demandé au chauffeur de taxi. En 80, nous avions le même PIB, mais aujourd'hui, nous sommes tous demandeurs. Et j'étais en compagnie du président de la Banque africaine de développement. Et le chauffeur de taxi, le président n'était pas dans le taxi, bien sûr, et il m'a dit, nous avons été colonisés par le Japon. Et nous avons été dominés et malmenés. Et notre ambition, c'est de dépasser le Japon. Si on n'a pas d'ambition, on ne peut pas s'en sortir. Et la deuxième chose, Victor l'a dit, merci Victor de l'invitation, et je vous suis également, vous êtes une fierté du Sénégal en Afrique. La Corée a 24 raffineries de pétrole, et la Corée du Sud ne produit pas une seule goutte de pétrole. Alors que notre grand géant producteur du pétrole, il y a quelques années seulement, le Nigeria, il n'y a que quelques années que Dangote a repris la raffinerie. Alors, ce que je veux dire, c'est que l'ambition, c'est bien, Alune l'a dit, mais la volonté politique affirmée avec un leadership national, c'est très important. C'est l'État qui doit donner la pulsion en créant un cadre incitatif, un cadre réglementaire. Un pays ne peut pas vivre de fisc et d'incitation, mais les patrons aujourd'hui de l'industrie, mais ils sont repliés sur eux-mêmes. Parfois même, ils se demandent est-ce qu'il faut laisser l'argent dans le pays. Si nous voulons le sursaut industriel, il faut que l'État accepte le sacrifice du sursaut industriel en mettant les patrons dans de très bonnes conditions pour attirer davantage d'investissements étrangers directs ou indirects. L'autre élément, c'est bien, le sociologue l'a théorisé tout à l'heure, il y a ces étapes d'industrialisation. Mais l'industrie, simplement, la transformation, la valorisation, le marketing national et accès au marché. Et aujourd'hui, il faudrait donc procéder par étapes, peut-être, la micro-industrie pour aller vers des PMI. Mais le gros responsable, celui qui décide, c'est l'État. Je ne dis pas qu'il faut un État fort. Il faut un secteur privé fort pour créer de l'emploi et de la richesse. Mais il faut un État qui se fait entendre pour mettre les rails de l'industrialisation. Je vous remercie. Merci. Merci Baguette. Baguette est un communicateur, c'est un journaliste, c'est un ancien de la BAD qui a été le directeur de la communication au niveau de la BAD. Donc nous avons un certain nombre d'intervenants ici, faudra venir par là, hein. Donc vous pouvez y aller à tour de rôle. Merci à tous. Vous allez le constater rapidement, je suis un cas un peu atypique ici, parce que je suis maintenant directeur général d'une société minière dans le privé, mais j'étais ministre du budget et ministre de l'énergie. C'est très intéressant de participer à ce type de rencontre, parce que j'ai fait en fait, comme l'a dit le précédent intervenant, j'ai fait les deux côtés. Mon expérience me permet maintenant d'avoir une vision un peu plus complète, parce que le champ de vision s'élargit quand vous êtes un peu dans le privé. Je suis donc dans le privé, je suis dans le secteur minier, directeur général de la Sumiva, qui exploite des phosphates de Matam, donc dans la région de Matam, dans un département qu'on appelle le département de Canel. Très rapidement, nous connaissons l'économie sénégalaise. Nous connaissons aussi nos forces et nos faiblesses. Nous savons qu'il y a un mot que moi j'utilise souvent, c'est que en fait, nous avons plein de déséquilibres. Au plan démographique, certains l'ont évoqué. Le Sénégal est un pays où là où naît la majorité, c'est là où on crée le moins de richesse. C'est-à-dire, quand vous prenez la croissance démographique, ça se fait essentiellement en milieu rural. Et pourtant, là-bas, vous avez les comptes nationaux de 10-15% de richesse créée. Nous avons aussi, quand on analyse les sources de la croissance économique. Hier, nuit, Victor, tu m'as fait travailler la nuit. J'ai rapidement appris les statistiques, les dernières statistiques de la croissance.
Pour la première fois, l'industrie a contribué à moins de 5%. Peut-être même, j'ai un graphique, mais peut-être c'est 2%. C'est énorme, c'est une baisse incroyable. Je ne sais pas qui a eu l'intuition de poser la question, mettre le doigt sur cette affaire. On est dans une dynamique où il faut sortir rapidement de cette période-là. Quand j'ai aussi regardé, bon, on a toujours, si on met de côté 2020, c'est un cycle, on prend le cycle antérieur. On sait d'où vient la richesse sénégalaise. En tout cas, la valeur, où est-ce qu'elle est créée? Agriculture 15%, 25% de secteur secondaire. Le reste, nous sommes une économie de services. C'est la deuxième particularité du Sénégal. Le reste, on sait avec précision comment est financée notre économie. Nous sommes un pays qui reçoit 1 milliard et demi d'aide publique au développement. Première source de croissance. Deuxièmement, c'est les immigrés. Ça aussi, personne n'en a parlé, les immigrés. Ça veut dire quoi? La troisième particularité de notre pays, c'est que nous sommes un pays extraverti. Quelque part, le développement, le minimum de bien-être qu'on a dans le pays vient de l'étranger, quelque part. Ça veut dire quoi? Et ça, je vais partager avec vous quelque chose, un travail que j'ai fait, qui semble être le meilleur que j'ai fait de ma carrière. Quand j'ai quitté le poste de ministre du budget, j'ai exploité tout ce qu'on appelle les mémorandums de politique économique, depuis le début jusqu'à la fin. J'ai trouvé quelque chose d'assez intéressant. Djibi a dit quelque chose qui est très important. Je vais l'illustrer. En exploitant tous ces documents, on se rend compte que les transformations majeures de l'économie sénégalaise et la société sénégalaise viennent toujours d'une séquence que je voudrais partager avec vous. Il y a toujours eu une crise suivie d'une conditionnalité, ça veut dire les bailleurs de fonds qui viennent constater la crise, suivie de réformes. Ça signifie quoi? Ça veut dire que, ici, quelqu'un l'a dit à l'une, nous n'avons pas endogénisé le développement. C'est ça que ça signifie. Ça veut dire que les transformations qui ont eu dans notre pays depuis le début sont impulsées de l'étranger à travers ce que je vous ai expliqué. C'est parce que nous sommes un head dependent country. 1 milliard et demi d'euros rentrent dans le pays comme aide. Celui qui paye, il commandera. C'est ça qui fait que le bailleur de fonds, c'est le patron du pays. Et donc, nous avons une séquence historique qui obéit à cette dynamique-là. Crise, conditionnalité, réforme. Crise, conditionnalité, réforme. C'est ça le Sénégal. Maintenant, qu'est-ce que vient faire l'industrie dans tout ça? C'est très actuel. Parce que nous sommes dans un débat de sociétal d'emploi. Ah, c'est intéressant. Parce que les paradigmes nous enseignent l'industrie est pourvoyeur d'emploi. Et nous connaissons aussi avec précision le problème de l'emploi dans ce pays. Nous l'avons analysé. D'abord, les créations, nous avons l'équation de l'emploi, on le connaît sous le bout du doigt. 250 000 à 300 000 nouveaux demandeurs d'emploi. Le privé donne 30 000, l'État souvent 5 000, il reste combien? Il reste 200 000. C'est ça qui amène les problèmes dans le pays. On a l'équation de l'emploi, on le connaît sous le bout des doigts. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste d'abord, moi je suis fait en plaidoyer en faveur de quelque chose que peut-être vous ne connaissez pas bien, c'est la remise en place d'un système national de planification. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est comme prendre des tiroirs, les faire bouger, ça ne sert à rien. Il faut une pièce, un armoire et des tiroirs. Je ne sais pas si la métaphore marche bien. Si vous voulez agir sur l'industrie, que vous n'avez pas le schéma global, ça ne marchera pas. Et pourquoi mal le pays, c'est quand on a parlé, j'ai dit c'est un catalogue de projets. J'ai besoin du cadre global pour que je puisse savoir la photocopie, la photographie au départ et où est-ce qu'on va. Et comment on y va et sur quel levier on va agir. Si on ne fait pas ça, c'est ça qui est le sentiment partagé par tous les Sénégalais. Nous avons, et si on compare avec le Rwanda, nous avons peut-être plus de compétences que le Rwanda. Mais le problème qu'on a, c'est comment agencer ça, que les gens puissent se retrouver dans quelque chose que tout le monde peut comprendre. Et surtout aussi que ça soit approprié de la base au sommet. Ce système national de planification dont je parle,
Il faut que ça commence par la base. Pour que les gens dans les territoires puissent dire ce qu'ils veulent. On monte jusqu'au niveau global. En ce moment-là, il se passe quelque chose qu'on connaît très bien nous aussi dans la sphère publique, c'est que l'autorité politique donne sa vision, qu'on transforme en des programmes sectoriels. Les programmes deviennent les projets d'examen d'action, etc. Tout le monde sait ça. Tant qu'on n'aura pas ça, on tourne en rond. Nous avons ici, à l'une, une évolution circulaire. Nous tournons autour d'un point. C'est ça qui fait que le sentiment que nous tous on partage, c'est qu'il y a un décalage entre nos potentialités et les réalités. C'est ça qui reste. Maintenant, c'est facile à faire. Et moi, je vous salue et je remercie ceux qui ont choisi le thème. L'industrie, ça peut régler le problème de l'emploi. Comme je disais, l'emploi est créé principalement dans l'informel. L'informel est le secteur où on voit la productivité la plus faible, c'est bizarre, hein? Donc ça veut dire, mais c'est logique. Parce que la taille de l'État est telle que, la fiscalité est telle, je suis mal placé peut-être pour le dire, les gens se cassent dans l'informel. Ils y vont avec l'état structurel qu'ils ont en termes de qualité d'emploi. Ça se traduit par une productivité très faible. Ça amène quoi? Une contribution à la croissance qui est faible. Bon, maintenant, l'industrie, l'industrialisation, je termine sur une chose. J'ai réfléchi hier nous sur ce qu'on doit faire. Nous sommes en période de Covid, post-Covid, nouvelle normalité. De quoi on parle? Est-ce qu'on parle d'industrie, de transition? Les mots sont importants ici. Est-ce que c'est transition? Est-ce que c'est transformation? Est-ce que c'est rattrapage? Je sais que Victor, tu as compris. De quelle industrie on parlait? Si c'est transition, c'est que nous étions sur une trajectoire, il faut migrer vers ce que tout le monde a expliqué ici, une transformation primaire, parce que les comptables nationaux nous ont tout dit en fait. Ils disent primaire, ça veut dire transformation primaire, secondaire, transformation secondaire, tertiaire, etc. Donc produire, transformer et commercialiser. Maintenant, est-ce que c'est une transition? Ça veut dire, nous avons une industrie émergente, il faut maintenant faire migrer. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une transformation? C'est-à-dire, on change de trajectoire. Moi, j'aurais dit rupture. Parce que quelque part aussi, le débat sur l'industrialisation. D'abord, nous tous, on est d'accord, c'est ça la voie. Intuitivement, nous savons qu'un pays commence toujours par l'artisanat. C'est normal. Je termine sur une chose. J'ai eu l'occasion de regarder un peu les questions d'industrialisation. D'abord, les institutions internationales qui ont en charge d'accompagner les pays, je ne suis pas satisfait. En tout cas, moi, en tant qu'ancien décideur public. Tous ces organismes-là, à la fois domestiques et internationaux. Moi, je pense qu'il y a, la question, quelqu'un l'a dit aussi, la question de la prise en charge de l'industrialisation en Afrique n'est pas prise au sérieux. Moi, je crois. Il faut qu'un leadership fort, il faut une détermination. Il y a beaucoup de choses qu'il faut aussi savoir. Je voudrais terminer sur ça. C'est les débats sur les brevets. Personne n'en parle ici. Docteur, j'ai déjà évoqué ça. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de brevets qui sont tombés dans le domaine public, que personne ne sait. C'est-à-dire, aujourd'hui, on vous vend des brevets qui sont dans le domaine public. Ça aussi, c'est le dernier message que je voulais passer. Voilà, merci. Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Merci, voilà. Donc, il y a la dame d'abord. Madame. Bonjour à tous. Je suis la voix féminine qui s'invite, membre haridienne. Créatrice, directrice des laboratoires bioessence qui s'active dans la cosmétique, mais également de biocondiments et de trois experts. Donc, je suis une serial entrepreneur, on va dire. Je vais commencer par le côté sociologie. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on évoque, comme mon prédécesseur l'a fait,
la question de la constitution démographique du Sénégal. On parle de la contribution de nos migrants, mais on ne parle pas assez de comment le Sénégal est constitué aujourd'hui. Nous avons énormément de jeunes. Et cette jeunesse-là, c'est l'avenir. Nous n'avons pas le choix. Il sort aujourd'hui en Afrique subsaharienne de nos universités, chaque année, entre 12 à 15 millions de nouveaux demandeurs d'emploi. Ils viennent de l'université. Je ne parle pas de ceux qui ont été abandonnés par le système. Et aujourd'hui, au niveau du club des investisseurs, il faut savoir qu'on ne pourra pas amorcer l'industrialisation sans cette jeunesse. Et également, quand on se compare au Rwanda, le rôle des femmes. Parce que la révolution rwandaise a donné une place extrêmement particulière et singulière à la femme dans toutes ses instances. Et donc, parlant du rôle des jeunes et des femmes, ça me fait évoquer nos rôles modèles, parce que toutes les personnes, je pense, qui sont aujourd'hui dans cette salle peuvent être considérées comme rôles modèles. Alors, il serait intéressant de voir dans le paysage médiatique et ailleurs qu'on puisse évoquer en réalité les parcours de nos capitaines d'industrie, de nos champions de l'économie. Nous voyons tout à fait autre chose. Et c'est un handicap pour la jeunesse. Aujourd'hui, psychologiquement, nous sommes en train de promouvoir le manque d'effort, l'argent gagné rapidement et facilement. Et tout le monde sait que ce n'est pas comme ça que ça marche. Et il faudrait que pour ces jeunes, qu'on puisse vraiment insister sur ces rôles modèles. En dehors de cet aspect, j'ai le monsieur qui a suivi monsieur Sall, qui est venu parler effectivement du rôle de la religion. Mais je pense que, sans même évoquer le protestantisme, vu que nous sommes dans un pays majoritairement musulman, il faudrait non pas parler du culte, mais essayer de partir des bases de cet islam en montrant que l'entrepreneuriat a été fondateur de l'islam et par une femme de surcroît. Il s'agit de Sorna Khadija qui a soutenu et qui a été la première à croire au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur lui. Donc, ces enseignements-là, je pense que nous devons également pouvoir en parler et pouvoir associer cette cinquième force sénégalaise qui est la force de culte et la force de nos marabouts et pouvoir vraiment promouvoir l'entrepreneuriat. Ensuite, je voudrais parler des dictats, des programmes politiques. Nous, à chaque fois qu'il y a un changement de présidence, un changement de régime politique ou en tout cas de parti politique à la tête de l'État, nous subissons, nous en tant qu'industriels, les dictats des politiques. Pourquoi ? Parce que nous avons vu des programmes comme la Goana. Après, on nous a parlé de l'insuffisance en Henri. Alors, moi, j'ai assisté en tant que consultante à toute une culture qui s'est développée sur le mil, notamment dans le Kaolack, Kaolack, Fatick, Durbel, etc., et qui avait commencé réellement, véritablement à faire des miracles. Et puis, il y a eu changement politique, et puis après, on nous a dit, il faut faire du riz. Donc, les mêmes paysans qui ont été formés à faire du mil et du bon mil, on leur a enlevé pratiquement tout ce qui était subvention, formation, etc.,
pour le mil, pour aller vers le riz, avec les résultats qu'on sait. Et je me dis que, nous le savons tous, l'État doit être une continuité. Le problème que nous avons, malgré ce que M. Sarr disait, ou peut-être en renforçant ce qu'il dit, donc mon prédécesseur, ça n'est pas de ne pas inventer des programmes, c'est un problème de mise en œuvre. Nous avons véritablement un problème de mise en œuvre de nos programmes et effectivement cette dislocation en plusieurs agences qui ne se parlent pas, qui ne communiquent pas et qui, le résultat en est que sur le terrain, parce que moi je fais beaucoup de terrain, sur le terrain, le problème agricole reste le même. Je pense que c'est M. Fall qui l'a dit. Nous ne produisons rien, absolument aucune spéculation. Nous ne produisions rien suffisamment. Vous vous rendez compte que moi, je suis dans le mille, mais je suis sûre que M. Pierre Ndiaye dira la même chose dans la transformation céréalière. Nous sommes obligés d'importer du mil, d'importer du maïs, et j'en passe. J'ai eu une approche des Canadiens qui m'ont demandé 4000 tonnes par mois de sésame blanc. Nous sommes incapables de faire 4000 tonnes de sésame blanc par mois au Sénégal. La production totale et annuelle, me semble, tourne autour de 12 000 tonnes. C'est dramatique. J'aimerais qu'on parle réellement, qu'on souligne en tout cas, cette dichotomie qu'il y a entre l'éducation professionnelle, la recherche, donc l'éducation professionnelle et la recherche par rapport à l'industrie. Quand vous allez partout, que ce soit dans la Silicon Valley, que ce soit dans tous les pays qui réussissent leur industrialisation, l'université est intégrée à l'industrie. Ce qui sort des universités est appliqué. Nous, nous n'appliquons rien. Et aujourd'hui, avec la COVID, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons vu des initiatives universitaires de jeunes, des inventions mise en place. Enfin, en tout cas, non pas mise en place, mais qu'on a montré comme modèle. Mais aujourd'hui, il faudrait en fait l'intégrer de façon continue pour que cette industrialisation-là puisse profiter des têtes de la recherche et de ce facteur innovation, parce que nos jeunes innovent beaucoup. Qu'on puisse appliquer ces découvertes à l'industrie. Enfin, je vais évoquer une nécessité de... Excusez-moi, j'espère ne pas être qualifiée de démagogue, mais une nécessité de protectionnisme. Nous avons besoin que nos industries soient protégées parce que nous sommes à un stade... vraiment de balbutiement. Nous ne sommes pas encore véritablement campés et en développement de nos industries. Je vais vous donner un exemple. Il y a eu quelques années avec l'APIX, vraiment une recherche des investissements directs étrangers et nous avons voulu favoriser des mesures incitatives pour que les investisseurs étrangers viennent s'installer au Sénégal. Et nous leur avons donné, sans collaboration nécessaire avec des Sénégalais, parce que il le faut. Aujourd'hui, vous allez en Chine, il est impossible que vous fassiez du business sans vous associer à un Chinois. Il est impossible, incroyable, que vous puissiez acheter de la terre chinoise sans être... de Chine. Et encore, c'est toujours, de toute façon, ce sont des baux, c'est un bail. L'État est toujours propriétaire. Aujourd'hui, le Sénégal ne suit pas cet exemple-là. Alors,
Pourquoi je parle de protectionnisme? Il s'est trouvé, en parlant de la tomate, donc peut-être que M. Fall pourra confirmer mes dires, il nous a été dit que la tomate sénégalaise, la toute petite tomate, était l'une des meilleures au monde, en termes de saveur, en termes de propriétés nutritionnelles, etc. Et une société d'origine italienne est venue faire de la tomate au Sénégal. Nous nous sommes retrouvés à l'étranger à une foire de l'agroalimentaire et bizarrement, tous les partenaires de petites industries sénégalaises venaient nous relayer une information comme quoi la tomate de l'année était infestée, contaminée par des bactéries d'origine humaine, donc qui viennent d'excréments humains en fait. Et cette rumeur avait été donnée par cette société italienne qui produisait ici et qui bénéficiait de tous les avantages donnés par l'État sénégalais en tant qu'investisseur étranger. Et pourtant, parce qu'il était capable d'exporter sa tomate et de qu'une partie soit mise en barquette, mise étiquetée comme tomate d'Italie, il n'avait plus le made in Sénégal. Donc, ce qu'il a trouvé de mieux à faire, c'était de dire que notre tomate, donc de tuer la concurrence sénégalaise en disant que notre tomate n'était pas bonne et pourtant produite ici au Sénégal. Donc, c'est un exemple marginal, mais je voudrais dire que il faut protéger nos industries. Ça a été donné avec le Feugue Diaye. Si on veut que le coton renaisse, que l'industrie textile renaisse, il faudrait effectivement qu'on ait un peu de ce protectionnisme. Et de ces réseaux, de ces alliances que le Sénégal tisse, parce qu'on sait faire. Diplomatiquement, je pense qu'on sait tisser des alliances et des réseaux. Mais il faut un plaidoyer fort. Je ne comprends pas que le Sénégal ait été, avec Maurice, les deux premiers pays qui se sont battus pour l'AGOA, en disant aux Américains, qui sont d'ailleurs importateurs de trillion, ça n'existe pas en français, c'est le milliard de milliards. Nous avons le million, le milliard, eux, ils ont million, billion, trillion. Donc, les États-Unis, premier importateur au monde de produits, ouvrent les bras au Sénégal en disant, vous avez plus de dizaines de milliers de produits que vous pouvez rentrer en duty free, et que le Sénégal se retrouve presque un des derniers de la classe ne pouvons pas profiter de cela parce que nous manquons d'un plaidoyer fort. Nous avons eu une fois un retour de l'État sénégalais, notamment, je n'incrimine personne, mais d'une agence qui nous a dit, nous sommes allés faire la conférence et en fait, ils nous demandaient où était le secteur privé. Mais quand ils sont partis sans le secteur privé. Nous n'avons ni été consultés, ni sollicités. Et les solutions, nous les connaissons. Je veux dire, nous avons la pratique du terrain et la pratique quotidienne pour, en fait, en tout cas, si nous ne trouvons pas les solutions directes, connaître nos problèmes. Donc, voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci. Un très beau plaidoyer pour tout. En tout cas, au niveau de la label, une bonne note prise. Et vous nous aidez d'ailleurs, parce que nous souhaiterions vraiment tous ces gens qui sont là, au-delà du CIS, chacun d'entre vous est une émission. À l'une, okay. Chacun d'entre vous. Donc, véritablement, je pense que nous sommes également quelquefois dans des pays où lorsque l'on s'exprime, les gens disent « Mouy, on est où ?» tout ça. On a peur également de se montrer parce que toutes les têtes qui émergent, on essaie de les couper. L'actualité récente, peut-être qu'on y reviendra sous d'autres formats, le démontre. Et comme je rappelle l'histoire de mon ami cinéaste Morozovski, polono-français qui vient en France, qui est venu tourner pas mal de choses ici au Sénégal et qui racontait cette histoire un peu de la fin du monde où les gens qui devaient se retrouver en enfer y sont allés. Dans la première grande salle énorme, c'était les Européens. Il y avait un Lucifer. Quand les gens voulaient sortir de la marmite, Lucifer, ils retournaient dans la marmite chauffante. Dans le deuxième, plus qu'énorme, deux Lucifer, parce que c'était les Asiatiques, ils étaient plus bruyants, etc.
Dans le troisième, il n'y avait personne. Qui? C'était les Africains, notamment les Sénégalais. Pas la peine, parce que c'est comme dans un panier de grappes, personne ne sortira. Bon, bonjour tout le monde. Moi, je ne voulais pas parler. C'est mon grand frère Babacar Gomme qui m'a invité. Je voulais me tenir vraiment dans mon coin. Mais après l'intervention de monsieur, celui qui est là, Bakhtar Fall, et celui de l'ancien ministre du budget, je n'ai pu me contenir, quoi. Parce que ce que monsieur Fall dit est très simple, quoi. Monsieur le ministre, monsieur l'ancien ministre, ce que monsieur Fall dit est très simple. On a la capacité de faire de la tomate concentrée au troisième degré, mais pourquoi on ne le fait pas? C'est ça le vrai problème, quoi. Parce que, voilà quoi, le pays a des potentialités, le pays a la capacité, comme dit Michel Fall, au-delà de satisfaire ses besoins, d'exporter. C'est des choses qui sont très simples, des solutions qu'on peut trouver dans le pays. Pourquoi on ne les trouve jamais? Et Michel le ministre dit qu'on a, voilà, des Sénégalais. Les Sénégalais sont brillants. C'est vrai, théoriquement, les Sénégalais sont très brillants. Les Sénégalais parlent très bien. Les Sénégalais conceptualisent très bien. Mais est-ce que c'est ça, être brillant? Parce qu'être bien, pour moi, c'est d'abord avant tout l'efficacité, quoi. Dans ce pays-là, il faut qu'on revoie l'échelle de la brillance. Parce que pour moi, l'aune à laquelle on mesure la brillance, c'est... Enfin, le caractère brillant, si je peux... Ça doit être l'efficacité, quoi. Parce qu'on a souvent confondu la compétence avec la capacité théorique, quoi. Bien parler, étaler de très belles phrases, et après, il n'y a rien. Voilà, ça dit, tu vas... Moi, j'ai couvert pour Jeune Afrique beaucoup de conférences dans le monde. Souvent, dans les conférences internationales, il y a beaucoup de Sénégalais compagnonnistes. Les Sénégalais théorisent bien, conceptualisent bien, mais après, il n'y a rien. Béchir Ben Yahmed, un jour, m'a dit dans son bureau, il me dit, écoutez, bon, tu sais, moi, j'aime bien le Sénégal. Hein. J'aime beaucoup Senghor. Mais j'ai un seul problème avec le Sénégal. C'est un pays où on parle beaucoup et où on fait peu. Et ça, c'est un vrai problème. Qu'est-ce qui empêche à nos dirigeants de faire ce que, par exemple, Michel Fall vient de dire? C'est vraiment, ça me pose un problème, quoi. Et bon, monsieur le ministre, pour terminer, a fait une comparaison avec le Rwanda. Je vais faire simplement un témoignage. Vous savez, au début des années 2000, je venais au Sénégal comme journaliste de Jeune Afrique. Ce que je constatais quand je venais au Sénégal, c'est que chaque fois que je venais ou partais, il y a énormément de ministres de Ward qui étaient dans l'avion, en classe business. C'était totalement la bamboula, quoi. Et puis des valises d'argent qui circulent dans le palais, etc. Au même moment, j'ai accompagné une fois François Soudan au Rwanda. Monsieur l'ambassadeur, on est parti interviewer Kagame. On l'a trouvé dans une salle sobre, une petite table, était en chemise, une voiture très modeste à l'époque. Voilà quoi. Et puis on sort de là, François Soudan me dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il me dit, tu sais, ce gars-là, il va construire le Rwanda. Je dis, pourquoi? Il me dit, il est tellement austère, j'ai l'impression que sa maigreur se justifie par le fait qu'il ne mange pas. Il me dit, j'ai jamais vu un dirigeant africain comme ça. Parce que le gars, il a mangé des choses très simples. Tu vois, il me dit, même la façon dont il mange est un état d'esprit. C'est ça la différence entre le Sénégal et le Rwanda, au fait. Voilà, merci. Excusez-moi. Oui. Non, je crois que vraiment, la mise en œuvre est quelque chose d'extrêmement important. Nous pouvons avoir toutes les théories possibles, tous les plans possibles, mais ce sont les hommes qui les mettent en œuvre. Et dans des pays comme les nôtres, lorsqu'on est le Rwanda, que je connais bien, le président Kagame nous a fait l'honneur il y a 3 ans de nous recevoir à Kigali à l'occasion de la conférence de l'Union africaine de radiodiffusion. Et il disait, le problème de l'Afrique, ce sont les Africains eux-mêmes. On parlait des droits de retransmission des trucs sportifs. Il a dit, I think that at the end of the day, he said that 18 African countries have paid more than $3 million, isn't it? I said, yeah. So the problem is not the money. Do we have confidence in each other? Are we willing to move forward? Et ce sont ça, véritablement, les véritables enjeux. Et quand on va dans un pays comme le Rwanda, moi, j'ai eu un double sentiment. De honte, pour dire ce pays, qui a eu tellement de déboires, tellement de millions de personnes qui ont disparu. Et à l'époque, à TV5, nous étions la première télévision au monde, avec Modou Ndiaye, j'espère qu'il est dans la salle,
les premières images du charnier qui ont été diffusées, c'est un de mes jours. Il est là, Modoun, qui les a filmées à l'époque. Il est là-bas au fond. Donc, honte de savoir, mais ce pays a vécu toutes ces choses-là et nous sommes incapables d'être au même niveau que ce pays. Et également, un sentiment d'admiration. La propreté, la place des femmes, notre sœur l'a dit tout à l'heure, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, la vision, elle est extrêmement importante. La volonté politique, l'exemplarité, et tout cela dans un état de droit où il y a de la justice, où tout le monde ne fait pas ce qu'il veut, où on protège ses nationaux, où on protège ses capitaines d'industrie, parce qu'ils sont des pourvoyeurs d'emplois. Il est très facile d'utiliser son argent pour d'autres choses. C'est vrai qu'il faut gagner également de l'argent. Moi, je ne suis pas partisan du nivellement par le bas. La pauvreté ne mérite pas d'être partagée. C'est la prospérité qui se partage. Mabousso. Merci beaucoup, Président. Bienvenue à l'ambassadeur du Rwanda, Karibou. Je voudrais commencer par deux anecdotes. La première, c'est au tout début de la crise du Covid. Si vous vous souvenez bien, les tailleurs ont pensé qu'il y avait une belle opportunité pour fabriquer des masques. Immédiatement, il y a eu un arrêté conjoint du ministère du Commerce et de l'Industrie en disant « arrêtez-nous ça vite, les masques, ça doit répondre à des normes ». Il y avait une opportunité qui a été immédiatement brimée. Le résultat des courses, c'est qu'aujourd'hui, 99,9% des masques de ce pays sont importés. Et tout le monde est content. Deuxième anecdote, il y a de cela quelque temps, il y avait un embouteillage, comme c'est souvent le cas, entre le stade de l'Amitié et la Patte d'Oie, à 300-400 mètres. J'ai compté 457 vendeurs ambulants sur 300 mètres, qui vendaient tous à peu près la même chose, qui étaient tous des produits qui étaient importés. Ça donnait une idée très précise des conteneurs qui étaient arrivés au Sénégal 15 jours avant. Voilà ce qu'est devenu l'économie sénégalaise. C'est devenu un souk avec quelques champions assez exceptionnels. On se demande même si vous êtes un peu normaux, tant l'environnement est défavorable pour la création d'entreprises et de richesses. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Je pense que c'est important qu'on revienne sur l'histoire. La première chose qui est importante, Monsieur le ministre, c'est le cadrage macroéconomique. On en a souvent discuté. On a un cadrage économique qui est totalement incohérent. Ce franc CFA, c'est un handicap à la compétitivité et on ne peut pas parler d'industrialisation sans faire le procès du franc CFA. C'est un ancien de la Banque centrale qui en parle. Une monnaie forte, rigide, c'est un anachronisme sur le plan économique et il n'existe pas d'exemple de pays au monde qui se soit développé avec cet arrangement monétaire. Ça n'existe pas. La deuxième chose, 94, la dévaluation, baisse des droits de douane, on est passé d'une protection moyenne de l'économie sénégalaise de 60%, ce qui était probablement beaucoup trop, à moins de 20%. Et on a dit, que l'industrie sénégalaise soit compétitive. Elle s'est effondrée, parce qu'elle ne peut pas l'être. Elle ne peut pas l'être. Et ce qu'on a développé au Sénégal, c'est une extraordinaire propension à importer. On importe tout et n'importe quoi. Voilà le résultat des courses. Moi, je me souviens, quand j'étais encore plus jeune que maintenant, que j'allais souvent jouer au football sur la corniche des HLM, de cette usine Ford qui produisait des minibus. On a connu la carrosserie Marchand, on a connu les Gaïnés. Il y avait un embryon de production. C'était peut-être insuffisant. Il y avait Senlé, il y avait la Soka, je pourrais en parler longuement. Et tout ça a été progressivement détruit. Et lorsque je vois que maintenant nous avons des containers qui sont déversés au Sénégal, de frigidaires d'occasion, de pneus d'occasion, j'ai dit, mais on est moins qu'une poubelle. Parce qu'on récupère ce dont personne ne veut. Et
je le dis, je le répète, ces nouvelles politiques industrielles, ces nouvelles politiques agricoles que nous avons suivies les yeux fermés, par des héros de l'ultralibéralisme, c'est-à-dire un libéralisme qui n'est pas appliqué dans leur propre pays, mais ça a donné le résultat que l'on connaît aujourd'hui. Je voulais dire que quand on parle de nouvelles politiques agricoles, de nouvelles politiques industrielles, c'est quand même une extraordinaire vanité sur le plan intellectuel. Parce que vous arrivez dans un pays que vous ne connaissez pas, vous dites on fait tabula rasa du passé et nous on va vous expliquer comment vous allez développer votre pays parce que bien entendu on est plus compétent et on aime plus votre pays que vous. C'est faux. L'expérience de l'Asie, Mokhtar tu le sais, c'est tout à fait autre chose. C'est une vraie appropriation où on a mis les experts à leur place. Ils donnent un avis, ils donnent une opinion, mais en aucun cas ils ne nous mettent en cogestion. D'autant plus que, quand ça ne marche pas, monsieur le ministre, vous avez fait plusieurs fois l'expérience, c'est vous qu'on désigne comme responsable de décisions que vous n'avez pas prises. Je voudrais dire que tout ça, ça s'est traduit par une désindustrialisation du Sénégal. C'est ça la vérité. Avec un déficit de la balance commerciale qui s'aggrave d'année en année. Et ce déficit n'est possible que parce que nous sommes dans un système monétaire où les arrangements nous incitent à la paresse. On continue à importer ce dont nous n'avons pas les moyens, mais ce n'est pas grave, on importe rien. Le système est paresseux. Et parce qu'il est paresseux, il est pervers. Ça signifie que du jour où ces arrangements sautent, le Sénégal est incapable d'importer ce dont il a besoin, y compris sur le plan alimentaire, y compris sur le plan énergétique. Ce sont ces paradigmes-là qu'il faut absolument remettre à leur place, remettre en cause. Et je vais terminer juste en disant la chose suivante. Depuis quelques semaines, on parle beaucoup d'emploi. En oubliant que la question de l'emploi, il n'y a pas de grand jour. C'est un emploi, plus deux emplois, plus trois emplois, qui, sur des années d'efforts, donne des résultats. Les chiffres du chômage aujourd'hui sont à rechercher dans le déséquilibre de la balance commerciale, qui prouve simplement une chose, c'est que le Sénégal ne produit pas. Et un pays qui ne produit pas condamne sa jeunesse au chômage. Merci. Merci Mabousso. Voilà, Moubarak, dès qu'on prononce son nom, on pense émergence. Oui, je vais commencer par parler d'émergence. Il ne peut pas y avoir d'émergence sans industrialisation. Donc, je vous remercie de m'avoir invité. Je dois dire que tout à l'heure, quelqu'un le disait, il est temps d'agir. Parce que moi, si j'étais un enseignant, je dirais que le Sénégal, c'est comme un pays qui a tous les atouts, mais qui ne donne pas de bons résultats. Vraiment, c'est un désastre. Je dois le dire ici, c'est le citoyen qui parle. Parce que j'ai le cœur très lourd. J'ai la chance d'avoir travaillé dans l'État pendant longtemps. J'ai parcouru pratiquement le monde entier. J'ai regardé toutes les expériences du monde. Donc, aujourd'hui, à la limite, rien n'est inventé. Tout est clair. Ce qui reste, c'est la mise en œuvre. Mais dans ce pays, on a souvent des ambitions. Je parle du Sénégal en tant que tel, le pays en... Mais en fait, il y a le succès, il y a des voies du succès. Vous ne pouvez pas avoir une ambition, mais dans la mise en œuvre, que vous soyez un peu dilettant. Bon, le Sénégal, c'est un peu ça. C'est un pays qui est nonchalant. Tout à l'heure, vous parliez de la Corée. La Corée, ce qui a fait le succès de la Corée, c'est la détermination, c'est la rigueur. C'est l'engagement. C'est un peu ces valeurs qu'il faut essayer d'inculquer au Sénégal. Et tant qu'on n'a pas mis ça au Sénégal, le Sénégal va rester un pays moyen. Alors que potentiellement, ce pays a la capacité d'être aussi fort que Singapour ou Malaisie. Parce que si vous regardez les ressources humaines et tout, on n'a rien à envier à ce qui se fait de meilleur dans ces pays-là. Et donc, il nous faut vraiment une rupture dans les comportements, dans la manière de faire,
la transformation des idées en actions, je pense qu'il faut commencer par ça. Parce que si vous regardez bien, dans les années 70, on avait commencé à avoir un début d'industrialisation. On avait créé des zones franches, des domaines industriels. On a mis en place des politiques d'incitation. L'industrie textile au Sénégal, à la fin des années 70, employait 25 000 personnes. 20 ans plus tard, 2 000 personnes. Aujourd'hui, combien? Je ne sais même pas s'il y a 1 000 personnes formelles, en tout cas dans ce qu'on considère comme l'industrie textile. Donc c'est un effondrement total. Bien évidemment, Mboussa l'a dit tout à l'heure, c'est un peu les politiques d'ajustement, mais pas que ça. Parce que pendant longtemps, ces usines sont là également. Aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche de les réhabiliter, de faire redémarrer ça? Si vous allez aujourd'hui à la Sotex à Kaolack, vous allez trouver toutes les machines qui sont sur place. Vous allez à Louga, vous avez l'espace qui est là, mais vous n'aurez pas un seul tissu qui sort de ces usines, peut-être sauf récemment. Ça veut dire que donc il y a nécessité encore une fois de rebâtir l'existant. Il y a aujourd'hui le nombre d'industries fermées. Moi, je me suis amusé un jour. Prenez secteur par secteur, vous pouvez peut-être identifier 200 industries au Sénégal qui sont fermées. Donc, il suffisait peut-être de faire démarrer ces industries pour déjà créer une réelle valeur ajoutée dans le secteur industriel. Donc, première priorité, redémarrer toutes les industries fermées. Au moment, il y a eu, dans le cadre de l'État, des programmes de restructuration industrielle, mais qui n'ont jamais vraiment donné des résultats. Mais le programme existe, ça a fonctionné jusqu'à récemment. Deuxième élément, nous avons aussi un potentiel qui est en train de naître dans le domaine agroalimentaire. Il faut aller de l'avant. Tout à l'heure, j'ai expliqué, vous t'exposez, vous parliez de besoin de terre. Je pense que le problème, ce n'est pas la terre. Parce que sur la terre aussi, on ne peut pas prendre... je suis au CIS, mais moi, je suis un homme libre. Hein, je dis ce que je pense. Je pense que l'idée, ce n'est pas que les industriels doivent nécessairement contrôler les terres sur lesquelles on doit produire pour avoir les produits industriels. Moi, je crois plus à une alliance. J'en ai parlé à mon ami Babacar Ngom. Je lui ai dit que, s'il me le permet, je l'ai dit de manière claire, il faut une alliance entre les industriels et les agriculteurs. Si vous allez dans les pays, il y a ce qu'on appelle l'intégration. C'est-à-dire l'industriel vient, il va travailler avec les agriculteurs, il les encadre. Bon, je pense que dans le cadre de la tomate, ça a été fait un moment. On peut l'expérimenter dans d'autres domaines. Et donc du gagnant-gagnant, c'est peut-être la voie du futur. Ce qui vous permet de maîtriser la qualité, ensuite d'avoir ce qu'il vous faut, et ensuite de faire la transformation. Donc il faut promouvoir ces modèles d'intégration parce que nous, on est de l'État. Notre ambition, c'est aussi d'enrichir le paysan. Je pense que progressivement, si les industriels viennent, prennent, disons, le management, qu'on vous laisse la gestion globale, mais que vous associez les paysans, que ce soit un partenariat gagnant-gagnant, que vous les tuiez et que vous soyez des garants de la qualité du produit agricole, mais également de la transformation. Là aussi, j'interpelle mon ami Ibrahim Sarr. Aujourd'hui, moi, je m'approche de la retraite, donc je dis maintenant ce que je pense. Vous êtes dans le phosphate. Moi, je crois à la transformation de tout ce qui se fait dans ce pays. On ne peut pas juste prendre les produits et les amener à l'extérieur. Nous n'allons jamais nous développer avec ces modèles. C'est une honte pour le Sénégal aujourd'hui de comparer le phosphate du Sénégal par rapport au phosphate marocain. L'OCP aujourd'hui est devenu un géant mondial. Quand Pierre Babacar Kama était là, on n'avait rien à envier aux Marocains. Aujourd'hui, comme on dit dans notre langue, c'est Yalla Yali. Il faut nous réveiller. On ne peut pas vouloir, disons, être grand en même temps, appliquer des méthodes sans stratégie. Comment on peut sortir? Moi, j'ai visité le phosphate de Matam. Est-ce qu'il y a une transformation du phosphate de Matam? Vous êtes le DG, vous pouvez me dire. Je ne crois pas. L'objectif doit être, tout ce qui sort du Sénégal doit être transformé. C'est valable dans le domaine
des mines. Comment on peut prendre l'or du Sénégal, donner ça à des sociétés qui les prennent, qui les amènent ensuite ou ailleurs? Le zircon. Et on peut se développer. Qu'est-ce qui empêche d'avoir des sociétés nationales qui gèrent les ressources naturelles nationales? C'est impossible en Asie de trouver une société étrangère qui gère les ressources naturelles du pays. Vous allez en Malaisie, vous allez trouver Petronas qui gère le pétrole du pays. Ils vont aller recruter en Australie les meilleurs experts. On les paye à prix d'or. Mais la société est nationale, gérée selon les normes privées. C'est ça les modèles gagnants. Mais nous, je veux dire, on vient, les investisseurs viennent, ils vont emmener quelques miettes, j'allais dire. On leur donne toutes les ressources. Ils nous laissent, sur le zircon, qu'est-ce qu'ils nous donnent par an? 9 milliards. 9 milliards, aucune transformation. Et quand c'est fini, ils partent. Et là, j'entends que même il y a certains qui veulent toute la Grande Côte, jusqu'à Saint-Louis, exploitation, ciel ouvert, on déplace les paysans, les pêcheurs. Voilà les vrais problèmes. Moi, je pense que si on veut avancer, il faut qu'on ose tous ensemble faire une rupture, à la fois l'État, parce que moi je suis de l'État, mais je ne suis également pas de l'État, parce que je suis un citoyen d'abord. L'État, le secteur privé, tous les Sénégalais, qu'on regarde comment ceux qui sont sortis, comme les Malaisiens, les Singapouriens, les Coréens, qu'on essaie de suivre le même chemin, mais on ne peut pas rester dilettant, je répète le mot, presque amateur en quelque sorte. Bon, quand on me parle de politique industrielle, j'ai envie de rire. Est-ce qu'on a une politique industrielle dans ce pays? Quels sont les secteurs privilégiés? Il faut m'en citer un. Aujourd'hui, on est en train de définir une politique industrielle. Est-ce que vous êtes consulté? Moi, je vous pose la question. On est en train de choisir les secteurs qui vont faire l'industrie de demain. Est-ce que vous avez été consulté? Et tout ce que vous dites ici, la présentation de Victor, est-ce que ça figure dans le document? Ce n'est pas trop tard, je vous tends la main. Je pense qu'il faut que l'État s'approche de vous et qu'on essaie de bâtir quelque chose de nouveau. Sinon, on va refaire dans 20 ans, on ne va pas démarrer. Merci beaucoup.